Good morgen! Allez, Ida, il sera aujourd'hui le Nishmat, Machlof Incha ben Masouda, Nachman Yosef ben Nahum, Avram Chayin, Orba ben Fortuné Mazal, Dov ben Yehudit et Nissan ben Mafret. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet, Tamid, Perigimel, Mishnabet. Amar lahem amemune, Tseou, Ur'u, Imigia, Zman Hashechita, Imigia, Roe Omer, Barikai, Matia ben Shmuel Omer, Heir Pnechola Mizrach, Adchehu Bechevron, Veu Omer, Hen. On a la même Mishnah qui se retrouve dans Maserhet Yoma, Perek Bet, je pense, ou Perek Gimel de Yoma, qui est même un peu plus détaillé, donc on va la compléter selon ce qu'il y a écrit là-bas. Mishnah précédente, donc, pour rappel, depuis le matin, les Kohanim ont organisé le Mizbeach. Ils se sont retrouvés dans l'Eshkat Agazit. Dans la Mishnah Aleph du Perek Gimel, on expliquait qu'on a tiré au sort ce qu'allait faire la Avoda. La Avoda du Korban Tamid et de tout ce qui l'accompagne aussi, du Shun Mizbeach Apnimi, Mizbeach Hachitzon, et tous les membres à faire monter, 13 personnes qui allaient recevoir, qui allaient mériter un prix. Maintenant, on va commencer à passer à l'acte, à s'intéresser, est-ce que on est apte à déjà faire le Korban Tamid, à savoir, est-ce que le jour commence à se lever, est-ce qu'il y a la lueur du Hamoud HaShachar qui est sorti. Hamoud HaShachar, ça implique que lorsque le jour se lève, eh bien, on commence à apercevoir, ça correspond à 72 minutes avant le lever du jour. Concrètement, à l'œil nu, on ne voit presque rien. Mais en tout cas, au Beth Amikdash, on a invité le Mémouné, le responsable, il a invité les Kohanim à monter dans un endroit haut et de regarder à l'est, le plus loin possible à l'horizon, pour voir est-ce qu'on commence à avoir une première lueur qui apparaissait. Et c'est ce que nous dit la Mishnah, Amar Lahem à Mémouné, il leur disait, le responsable, c'est où, sortez, tous les Kohanim qui sont là, qui ont participé au tirage au sort, allez voir, où imigiazman Hashechita, allez voir. Est-ce que le moment de faire la shrita est enfin arrivé? D'accord? Donc on a dit le Hamoud HaShachar, comme la Mishnah va l'expliquer maintenant. Imigia, si c'est arrivé, le moment il est venu, à Roé Omer Barkai. Celui qui a vu, il vient et dit Barkai, la chaîne Barak, ça commence à éclairer. Petite précision, il fallait partir voir, il fallait trouver des points hauts du Beth Amikdash. Et comme ça, de là-bas, ils pouvaient voir le plus loin possible à l'horizon. Donc, selon le premier avis de la Mishnah, celui qui a vu une petite lueur tout au fond à l'horizon, à l'est, alors il nous dit, ça y est, Barkai, ça commence à éclairer, on peut commencer à faire le Korban Tamid, à s'y préparer, et à le faire. Matia ben Shmuel Omer, Matia ben Shmuel dit que non, Matia ben Shmuel, entre parenthèses, la Maseret Shkalim nous dit que c'était lui-même un Mémouné. Il nous dit non, on ne se contentait pas de dire qu'il y a une lueur à l'est, au fond, mais il fallait qu'il y ait Heir Pnei Kol HaMizrach. On lui demandait, est-ce que ça a été éclairé toute la face est? C'est-à-dire, on demandait pas juste une petite lueur tout au fond de l'horizon, mais on voulait que ce soit un petit peu plus, comme c'est de là d'où le mot, je crois, que Hamoud HaShachar, la poutre du matin. Hamoud, parce que on demande, est-ce qu'on voit au fond un point, une ligne de lumière assez large qui pourrait ressembler en fait à une poutre. D'accord? Il fallait que ce soit plus, donc. Attendre un peu plus. Est-ce que ça a éclairci toute la face de l'Est? Et donc, le Cohen qui a affirmé avoir vu, ça y est, ça a éclairé. Donc il est venu et nous dit, ça y est, ça a éclairci tout le côté Est, tout au fond, on voit une poutre entière. Alors ça, on lui posait la question là, Achehu Bechevron, jusqu'à que c'est à Chevron. Est-ce que la poutre elle est assez large qu'elle est même face à Chevron? On va expliquer exactement, il y a un problème de géographie un peu violent. Et Veo Omer, Hen, et il nous dit oui. Voilà ce qu'il a écrit. Donc en fait, d'accord, le Cohen qui affirme avoir vu la lueur à l'horizon, selon Matthieu Ben Shmuel, il vient et nous dit, j'ai vu la lumière, elle est, tout l'est il est bien éclairé. Et alors on dit, ouais, c'est éclairé quoi? Jusqu'à Chevron? Sur ça, il va nous dire oui. Il y a un problème technique. Parce que regardez une carte d'Israël, vous allez voir qu'il y a Yerushalayim en haut et Hebron en dessous. Si c'est en dessous, alors je crois que ça veut dire que c'est le sud, d'accord? Le soleil se lève à l'est. Comment tu veux que de l'est ça arrive jusqu'à Hebron? Comment faire un truc pareil? C'est pas possible. On peut voir, d'accord, le soleil, il va pas éclairer jusqu'à Hebron, c'est pas. Alors, sur ça, il y a deux choses à préciser. Tout d'abord, le sens simple, c'est évident. Est-ce que tu vois que ça a éclairé? Au moins comme si c'était face à Chevron, c'est-à-dire tu prends
qu'on a, on est de Yerushalayim jusqu'à Hebron, bon, peut-être une trentaine de kilomètres, est-ce que tu vois une poutre assez large à l'est qui s'étend jusqu'à face à Hebron, même si ça n'arrive pas à Hebron? Sur ça, il nous dit, maintenant, pourquoi parler de Hebron? Simplement parce qu'il fallait, on faisait allusion aux Zechoutavot, au mérite des patriarches qui sont enterrés à Hebron. Donc c'est pour ça qu'on avait utilisé le mot Hebron. Mais en réalité, il n'y a pas de lueur qui arrive jusqu'à Hebron, c'est juste face à la ville de Hebron, plus ou moins, c'est assez large. Pourquoi a-t-il fallu insister de manière générale? Le jour se lève toujours à Alot HaShachar, dès qu'il y a lueur qui pointe à l'est. Pourquoi alors a-t-on demandé d'aller voir une poutre aussi large, et aussi qu'on fasse tellement un rituel de voir est-ce que c'est le jour s'est levé? Regarde, le jour s'est levé, on a fini l'histoire. Pourquoi il fallait. Alors sur ça, la Mishnah de Yoma nous raconte qu'il y a eu une fois un accident qui a été produit. C'était un incident, c'était très désagréable. C'est qu'en fait, il y avait un jour où c'était un petit peu nuageux pendant la nuit. Et puis quelqu'un, il a regardé comme ça, et il a vu qu'il y avait entre les nuages, vous savez, des fois entre les nuages, on a un petit rayon qui sort comme ça, un peu loin. Et c'est ce qui s'est passé. Il a vu un rayon de la lune, qui est en fait, c'était la lune qui éclairait. Et elle était assez claire cette nuit-là, au-dessus des nuages. Et il a été un peu troublé dans l'histoire. Il a été un peu troublé sur la scène. Et là, du coup, il s'est dit que le jour s'était déjà levé. Donc ils ont commencé à faire la avoda. Et puis il s'est avéré qu'en fait, après quelques secondes après, les nuages se sont un petit peu ouverts. On a vu que c'est encore la pleine lune et que c'était aucun rapport avec le soleil. Du coup, le korban qu'on avait fait la shrita, il a fallu le sortir au bet asrefa. On a raté complètement le korban. Du coup, ils ont été metaken, ils ont instauré qu'au bet amigdash, on fait un grand essek, on insiste beaucoup sur à bien s'assurer que le jour s'est bien levé. Et comme ça, on est certain que le jour s'est levé, qu'il y aura plus de. On ne fera plus sortir de korbanot à aller se faire brûler pour rien au bet asrefa. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslach HaKol Tov. Salam.